La Hyundai i20 Voilà. que je vais vous tester. Pas de bruit, hein. On est là? Elle fait pas beaucoup de bruit pour commencer, ouais. Elle est assez silencieuse à l'intérieur. Je vais à gauche ici, par là. Par là-bas? Non, là, là-bas. Combien de chevaux? Elle a 100 chevaux celle-ci. Hein? Ouais. Et ici je fais quoi? Je reste ici sur la droite ou je vais dire? Pas très confortable. Toi, tu apprends comment à conduire? Alors, à conduire au début, je l'ai trouvé un petit peu lente, surtout qu'avant j'avais une voiture qui était moins puissante mais très dynamique, très réactive. Mais maintenant ça fait plus ou moins, ça, voilà, ça fait 5100 km que je roule avec et elle commence à être un petit peu plus réactive. Alors on pourra peut-être regarder sur la speedway un peu accélérée. Ouais. En restant dans les limites. Bien sûr, en respectant les limites de circulation. Très, très confortable à conduire. Avec beaucoup de choses qui sont réglables, le volant qui est réglable, la hauteur, le fauteuil, l'appui-tête. Combien de vitesses tu as? J'ai 5 vitesses. Alors là par exemple, c'est à 90 mètres en moins. Voilà, ici j'ai installé le cruise control donc j'ai plus à appuyer sur la pédale. Si on ne veut pas non plus dépasser la limite de circulation, hop. Voilà, j'installe un petit indicateur qui me dit de ne pas dépasser. Et je suis bloqué à 88. C'est trop bien. Voilà. Pas de GPS, pas... Qu'est-ce que j'ai de... Bah, le Bluetooth qui me permet de contacter qui je veux. C'est quand même bien réactif, on arrive vite à une vitesse confortable. Ouais, c'est bien. Elle est bien propre. J'ai fait attention pour ça, à ce qu'elle soit le plus propre possible. Tu vois, toutes les commandes sont sur le volant. D'ailleurs, si je veux appeler quelqu'un, mon téléphone est relié à la voiture. Je peux appuyer sur cette petite touche. Et tu vois, hop, toute la liste de mes contacts. C'est trop bien. Ouais, c'est assez pratique pour moi qui fais beaucoup de routes. Beaucoup sur la route et donc quand je vais appeler les gens, c'est un peu plus facile et moins dangereux aussi. Tu fais combien de kilomètres par an? Alors on peut dire que je suis à plus ou moins 25, entre 25 et 30 000 km sur l'année. Si je compte les voyages en vacances aussi.
long trajet, j'ai fait de l'autoroute, bah, ça a diminué ma moyenne beaucoup. Donc tu peux compter entre 6,5 et 6,8 litres de sang en général. En général. Des connecteurs USB. Donc avec ça, je peux connecter à mon câble USB pour parfois recharger mon téléphone. Fais gaffe, ça j'ai pas vu non plus. Je peux installer. Voilà. J'ai pris un aimant pour pouvoir fixer mon téléphone. Et donc tu vois, je mets le câble pour pouvoir charger sur les longs trajets. Ouais. Des essuie-glaces aussi. Il y a quelque chose qui est assez intéressant aussi quand il fait nuit, mais ça tu verras pas ici. C'est que en fonction de si je tourne à gauche ou à droite, il va y avoir un phare qui va éclairer un petit peu plus vers là où je vais tourner. Pourquoi ? Pour que j'ai plus de visibilité. Oui. Sur le tableau de bord. Alors voilà, on a plusieurs informations, le kilométrage. Le plein que j'ai fait juste avant de rejoindre Martin. Ici je peux changer un petit peu tout ça, donc là on a l'heure pour l'instant. Hop. Voilà, un premier jet de kilomètres que je peux indiquer, un deuxième. Là le nombre de kilomètres avant que j'ai besoin d'aller faire un plein. Ma moyenne de consommation aux 100 km. Bonjour, je fais le premier s'il vous plaît. Premier ? Ouais, merci. Voilà. Alors ensuite, ici normalement sa consommation aux 100 km en marche, mais donc comme on est à l'arrêt, on ne le voit pas. Et ma vitesse moyenne, je suis pas quelqu'un très rapide, 48 km/h de moyenne en général. Voilà. Et comme... Comme vous l'avez remarqué, on est au carrosse. Toutes les fenêtres sont bien fermées. Ça te plaît toi les carrosses, Martin, en général ? Oui, oui. Moi aussi. J'ai stoppé les essuie-glaces automatiques, sinon ça allait à chaque fois les nettoyer. Les faire sécher la vitre, c'est pas le but. Faut qu'il passe bien partout parce que j'ai plein de crottes de pigeons sur mon toit. Après, on pourrait couper un peu le moteur pour tout ça dans la bassine. Ah oui, je dois couper le moteur. Ouais. On voit que t'es un habitué de la maison ici. Voilà, je coupe le moteur. C'est quoi ? Alors, ah oui, ça j'ai oublié de te dire. Ça c'est l'activation de l'arrêt automatique. Donc si j'appuie sur ce bouton, je peux le désactiver.
GPS devient noir. Bonjour. J'ai oublié de dire, il y a aussi le verrouillage automatique ici. Voilà, donc qui s'active dès qu'on dépasse les 20 km/h. On peut plus ouvrir la porte dehors. Et donc ça, c'est pour désactiver les petits bruits pour l'aide au stationnement. Je te montrerai après sur le tableau de bord. Merci. Je vous règle ici. Oui, hein. Ok. Voilà. S'il vous plaît. Essayez la petite carte jaune là qu'on t'a donné. Oui, bien sûr. S'il vous plaît. Tu es bien installé dedans, toi? Oui, très bien. Très bien. Alors un petit plus aussi que j'aime beaucoup et que tu utilises bien pour l'instant, c'est l'accoudoir qui est là. Ça c'est hyper confortable, je trouve, pour conduire. Ah ben je t'invite à l'utiliser évidemment. Tu peux en profiter. Et j'ai ma petite cachette aussi, hop, qui est là-haut pour les lunettes. Ouais, comme tu dis, la conduite est très confortable. On sent un peu les secousses. C'est pas quelque chose qui est agressif quand tu accélères. Alors je sais pas si elle sent encore un petit peu le neuf que t'as inventé en rentrant dedans. C'est déjà fini ça? Ouais. Thank you.
qui est très très intéressante. Elle est quand même, elle est assez large, hein, mais très agile. Oui, on tourne bien. Je suis allé en montagne avec et il n'y avait vraiment aucun problème dans les routes sinueuses. En montagne, ça c'était chouette à conduire aussi d'ailleurs. Voilà, tu vois, qui indique bien comment tu te positionnes. Ouais. Que tu veux rentrer dedans ou que je recule encore un petit peu, si comme ça. Ouais. Voilà. Voilà. Vous voulez savoir Hyundai i20, 1.0 TGDI, 100 chevaux, type une essence, 908 cylindrés, 1140 kg, comme ça tu seras bien.